Putain, comment je vais poser sur cette prod là? Plus elle est lourde. Ah ouais, attends, je vais essayer ça vite fait. 1, 2, 1. Ok, mon plan c'est Achital 1. 3h du mat, ma plume sèche. Donc je planche sur un thème, le beatmaker a fait du sale. Tu sais les trucs dans le genre que t'aimes. Les idées me viennent par centaines en général. Mais là je cherche la petite touche qui frappe ce son, un truc original. Je regarde ma feuille, puis regarde vers le ciel. Comment se fait-il que je n'arrive pas à déceler cette étincelle? Le manque d'inspiration monte en moi la température. La feuille blanche d'origine est désormais bourrée de ratures. Mon écriture en prend un coup au moral. Mais comment se laisser abattre quand y'a une prod honorable? C'est compliqué de ne pas écrire à cœur ouvert. J'ai du vécu à retranscrire, je me confie comme un cours au cellulaire. C'est vrai que je manie mal la langue de Molière. Donc je me sers de mes lacunes pour garder les pieds sur terre. Dis-moi toi qui trouves toujours chose à dire. Ta critique est toujours bonne, alors comment m'en sortir? Ego trip, ego flip, technique dans le flow. Allergique au flop, t'as des mains comme un fuck. D'origine et ma cloque, j'ai jamais eu à écrire sous alcool, motherfucker. Tu dois le savoir, toi qui me suis depuis le début. Des barres de rire, je me souviens encore de mon premier morceau. L'hydro comme pseudo, baptisé par le poteau. Inspiré par le manga, DBZ ou Naruto. Narrateur moderne, aujourd'hui je suis. Jusqu'ici j'ai tout fait pour ne jamais te voir déçu. Si tu me suis, c'est que j'en vaux la peine. Les rappeurs en France, il y en a à la peine. Je me suis vu arrêter, essayer de m'orienter vers autre chose parce que je ne voyais pas les résultats. Aujourd'hui je le sais, j'ai toute ta reconnaissance. Tu me l'as prouvé, donc à mon tour de faire preuve de bon sens. T'as véhiculé mon place du mec t'as pu. T'as véhiculé mon taf à ce que t'as vu. Donc je me dois de te rendre appareil. Je te dédie ce dernier morceau de mon premier album public. Alléluia, écris avec ce que t'as dans les veines. Alléluia, l'encre coule mais c'est ton cœur qui sait. Même si t'as vu, on a du mal à écrire. On tombe sur une prod lourde mais elle nous inspire pas grand chose, tu vois. Il y a toujours moyen d'en faire un truc, quoi qu'il arrive. Parce que les gens qui te soutiennent, ce qu'ils veulent, c'est de la fraîcheur, tu vois. Ils veulent de la spontanéité. Et moi en écrivant ce morceau, quoi, j'ai pensé à eux, tu vois, délire ou quoi. C'est pour ça que ma feuille n'est pas restée blanche longtemps. Et voilà ce que j'ai pondu, enfoiré de niggas. Dans le calme.